Oui, l'actualité sportive du week-end dans un instant, mais tout d'abord, eh bien, nous retrouvons nos dragons et on va donc parler de football américain comme chaque lundi à partir de 8h30. Et pour ça, nous retrouvons Rodolphe en direct par téléphone. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous pour cette nouvelle année 2015 où on souhaite bien sûr le meilleur pour les Dragons de Poitiers, l'équipe de football américain de notre département. Hein. On va s'intéresser à la reprise après la trêve hivernale, reprise de l'entraînement pour toute l'équipe à partir de ce lundi. Qu'est-ce qui est au programme justement pour se remettre dans le rythme, se remettre en forme et aborder la compétition après cette petite trêve hivernale? Alors oui, en effet, les entraînements reprennent dès lundi là, dès aujourd'hui, parce que le coach a voulu laisser un peu plus de temps aux joueurs pour récupérer après ce début de saison très chargé et très positif. Donc là, ça reprend dès lundi avec sûrement de la technique individuelle, parce que il reste 4 semaines aux joueurs pour se repréparer, replonger dans le football américain, dans les techniques et dans les tactiques, pour pouvoir jouer dès le 8 février le match à domicile contre Biarritz. Donc il y aura 2 petites semaines on appelle ça la technique individuelle, pour revoir les petites bases, et après ça va sûrement dérouler sur la mise en place tactique pour retrouver les automatismes. Voilà. D'accord. Donc, dès ce soir, c'est les seniors, et mercredi, c'est la reprise des jeunes, donc des moins de 19 ans, moins de 16 ans, et puis les flags, donc le football américain sans contact, voilà. D'accord, est-ce que tu peux éventuellement nous parler de ces deux autres équipes dont on parle peut-être un petit peu moins le lundi matin, c'est-à-dire tout d'abord les juniors qui se situent comment actuellement, là, les petits dragons de Poitiers juniors? Alors les petits dragons, donc ils ont quand même entre 17 et 19 ans, oui. Voilà. Mais donc c'est les moins de 19 ans, ils se situent, il y a un effectif autour de 15, autour de 15 jeunes qui vont faire un match un championnat régional en entente avec les Pictes de Niort. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés de 2015, souvent une nouveauté que les supporters vont pouvoir suivre jusqu'à la fin de saison en juin. Donc il y aura les matchs de l'équipe junior qui sera en entente avec Niort. Voilà. Donc on va accueillir un match début juin normalement à Poitiers. Voilà. D'accord. Et quel est le niveau de tous ces jeunes joueurs? Est-ce que on a un niveau correct ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de travail? Comment ça se passe? Alors, par rapport à l'année dernière, il y a eu un gros changement d'effectif. Voilà, comme on a envoyé plusieurs jeunes au pôle, donc au pôle France, donc il y a eu pas mal de turnover et le niveau il a un peu baissé. Mais bon, on retrouve quand même des joueurs phares dans l'équipe qui tirent les nouveaux principalement vers le haut, mais pour assister aux entraînements, on voit que ça progresse très très vite, et puis il y a beaucoup d'envie, donc ça c'est agréable à coacher des jeunes comme ça, et cet effectif sera renforcé avec la venue des jeunes de Niort, qui eux aussi ont un effectif autour de 15-20 jeunes, donc ça va faire une belle équipe en championnat pour affronter les autres équipes de la région. Voilà. D'accord. Alors ça, tu nous disais, c'est une nouveauté pour le club cette année 2015. Y a-t-il d'autres choses au programme de nouveau pour cette année? Voilà, alors c'est en comparaison avec la saison 2014 là, qu'on vient d'écouler là, ces quatre derniers mois. Donc il y a également, je suppose, si on a suivi un peu la page Facebook, donc il y a les highlights, donc les meilleures actions de chaque match maintenant qui vont être mises en ligne sur YouTube. D'accord. Donc donc les supporters pourront revivre les matchs au travers de ces 2-3 minutes de vidéo. Donc ça, c'est un petit plus qui est sympathique. Voilà. C'est toujours sympa de voir les plus belles actions. Effectivement. Et il y a également, alors comme tous les ans, en début février, il y a le Super Bowl. Donc c'est la finale, on va dire ça comme ça, du championnat NFL. Donc qui aura lieu dans un de nos partenaires. Donc c'est un bar australien en ville, voilà. Donc ça, c'est le 1er février, le dimanche 1er février. Donc réservez votre lundi, parce que la finale commence à minuit et finit à 5h du matin. Ah oui, quand même. Oui. Voilà, quand même. Donc il va falloir assurer le lendemain pour ceux qui vont...
Ah, ouais, d'accord, bien sûr. Bon, ouais. Eh ben, on précise que c'est donc la finale du championnat américain. La NFL, oui. C'est la ligue américaine, donc voilà. La ligue emblématique de ce sport à travers le monde. On peut peut-être donner l'adresse du bar, puisque j'ai remarqué que tu avais été très prudent pour pas le nommer, hein, histoire de pas faire de publicité déguisée sur notre antenne. On peut peut-être le situer quand même, ce bar. Voilà. Alors, il est juste à côté de la place d'armes. Mmh. Donc c'est trois rues du plat d'Étain. D'accord. Voilà, c'est vraiment juste à côté de la place d'armes, dans une petite rue qui s'enfonce entre deux bâtiments, pas loin du printemps. Voilà. D'accord, centre-ville de Poitiers, bien sûr. Voilà, centre-ville de Poitiers, voilà, exactement. Très bien. Donc là ça sera le Super Bowl début février. Et également les supporters, s'ils viennent en nombre à nos rencontres, ils vont pouvoir voir un nouveau groupe de danse. Qui va intervenir, voilà. Donc là, ce sera un groupe de hip-hop, hip-hop R&B, mmh. Voilà, qui va venir faire une prestation de danse. Donc ça va changer des cheerleaders qu'on a eu à la dernière rencontre. D'accord. Voilà, donc c'est les Chrysalides. Donc ça, vous pourrez les voir dès le 8 février. Donc c'est elles qui viennent le 8 février. Faire une prestation. Et donc, alors, ça remplace les pom-pom girls. Alors oui, sur cette oui, parce que les pom-pom girls ne sont pas disponibles à cette date-là. D'accord. Et ça permet d'alterner un peu les prestations scéniques. Voilà, sur Poitiers. D'accord, bon, ça va peut-être... Peut participer toutes les associations. Oui, non, je comprends bien, oui. Rodolphe, c'est tout à votre honneur, en sachant que ce ne sera peut-être pas tout à fait le même public intéressé par les uns ou les autres. En tout cas, je suis sûr que les deux spectacles sont très bien, également. Oui. D'accord, bon, on se retrouve, nous, dans une semaine, les Dragons, pour faire un point, évidemment, sur le parcours et sur l'équipe de football américain de Poitiers. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Rodolphe. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Allez, bonne fin de matinée, bonne journée. À bientôt.